Choc FM. Choc FM de 20h à 21h. Hey, c'est pour ça que nous fait ça, Massif. Yeah. Ben mon frère, ça me fait plaisir d'être là. J'espère qu'on va passer un bon moment reggae. Ok, donc big up à la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, la Guyane, etc. Tous les frères qui sont sur la place ce soir. Montréal, mais c'est Bullet. Bullet. Nicky. Vous l'avez compris, hein, on est très heureux de retrouver cet artiste. Comme Tifabio l'a dit, l'artiste du moment tout simplement qui a cartonné sur les platines de beaucoup de DJ tout au long de l'été. On l'a ici à Montréal et ça fait très plaisir. Donc X-Man est dans l'équipe de Lumière Reggae pour ce vendredi soir. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. DJ Tik également, My Selecta du Creole Soldier Sound System est venu vous donner des bonnes vibrations. Et je pense que sans plus tarder justement, My Selecta, Tifabio si tu le veux bien, My Selecta, DJ Tik. On roule la musique. On roule la musique avec un coup de foudre. Est-ce que tu sens venir? Ah bon. Est-ce que tu sens venir? Spécial X-Man. Restez à l'écoute. Hey baby. Yes, yes, auditeur Lumière Reggae. J'espère que vous avez bien apprécié ces deux premiers sons de l'artiste, de l'homme, X-Man. X-Man, welcome, welcome. Encore bonjour et bonsoir dans le studio. Big up à vous. Big up à vous. Merci beaucoup. Comment a été le voyage? Pour faire ça simple. Sincèrement, tranquille, j'ai bien dormi. Et depuis tout à l'heure, là, on parle de Montréal et tout. Dites-nous, premières impressions de la ville, comment tu trouves ça? Ben, frère, moi, sincèrement, je suis surpris, agréablement surpris d'ailleurs, parce que, tu sais, comme je disais aux amis tout à l'heure, là, quand on parle du Canada, de Montréal, tout ça, on parle surtout du foie. C'est surtout ce qui est mis en avant, un petit peu partout. Et donc, finalement, moi, quand j'arrive, je vois une ville super vivante. Avec les gens qui bougent dans tous les sens, des magasins partout, des bars, des restos, etc. Un petit peu partout. Et voilà quoi, c'est beau, c'est propre. Finalement, c'est plus chaud. Ouais, c'est chaud. C'est plus chaud que ce que tu pensais, frère, hein, t'as vu? Exactement. Et puis, pour un premier show à Montréal, comme on présente l'artiste pour la première fois à Montréal, on va essayer d'aller du côté musical maintenant. Et. Écoute, X-Men, comme a dit DJ Nicky tout à l'heure, c'est l'homme de l'été, quoi. C'est l'artiste de l'heure, quoi. Alors, comment ça a commencé pour toi dans la musique? Alors, ben, j'ai grandi en Martinique. Donc, en Martinique, j'ai fait pas mal de sound system. Ça fait maintenant presque 10 ans, on va dire. Mm-hmm. Donc, voilà, j'ai fait les sound system, les fêtes de quartier, un peu les fêtes patronales, les trucs comme ça. Mm-hmm. Après, j'ai eu l'occasion de participer sur des compiles. Compilation commerciale, donc qui voyageait, qui partait vers la France, etc. Donc c'est ça, comment ça s'est passé? Ils sont venus te chercher Voilà, exactement. Donc à force de faire des sons de système, des sons un peu underground, et parce qu'à l'époque il n'y avait pas vraiment de, il n'y avait pas MSN, internet, tout ça, c'était de graveur en graveur. Mm-hmm. Donc j'ai enregistré un peu chez moi avec mon graveur audio. Donc c'était maquette et ça circulait énormément. Donc j'ai eu la chance d'avoir des producteurs qui ont entendu ça. Et j'ai pu participer sur des projets comme Dancehall Clash de DJ Alan, enfin des compilations vraiment commerciales et qui ont vraiment bien fonctionné. Okay. Et après, donc voilà, au fur et à mesure, j'ai continué dans l'underground, j'ai continué sur les compilations jusqu'au premier album Atypique, donc qui est sorti cette année. Yeah. Félicitations pour le premier album d'ailleurs. Yes, I am. Merci. T'as une petite question? Ben justement, après tout ce parcours là, ça a toujours été dans le ragga dancehall. Tu dis que tu viens de la Martinique, tu t'es exporté sur la métropole. Yeah. On sent qu'il y a vraiment une envie, dans toute ta musique, de donner ça en créole. Hein? Ou je me trompe? Pour moi. J'ai appris, surtout cette année, parce que j'ai fait une grande tournée. Ça fait plus d'un an que je suis en tournée, où je suis quasiment tous les week-ends en showcase quelque part. En voyageant comme ça, j'ai compris en fait que la barrière de la langue, c'était tellement minime. Parce que je chante dans des villes où, si tu veux, je vois qu'ils ne comprennent pas, mais qu'ils font les sons avec leur bouche. Okay. Mais ils s'amusent autant. La phonétique passe quand même. Voilà, tu vois, et ils s'amusent autant que quelqu'un qui comprendrait la chanson. Okay. Donc, mon inspiration, elle vient comme elle vient. Je cherche pas spécialement à écrire en français ou en créole
À part si je vise pour une chanson vraiment comme ça au hasard, un public bien précis. Okay. Mais ça arrive vraiment très rarement. D'accord. Mais dans cette démarche-là de faire le son en français ou en créole, mm-hmm. Y a un besoin de représenter les Antilles aussi, l'endroit d'où tu viens. Après, c'est clair que quelle que soit la langue, dans la majorité de mes chansons, j'essaie toujours quand même de glisser un petit coup de West Indies ou de 972, de Madinina. C'est comme ça. C'est la vibe que je dégage, c'est ça. Tu vois, un Jamaïcain, quand il va venir aux Antilles ou en France ou ailleurs, il va représenter avant tout la Jamaïque dans sa musique, dans sa façon de parler, dans ses mimiques, dans ses gimmicks. Et moi, je pense que c'est un petit peu pareil, mais c'est naturel. Alors l'homme, il fait le travail, il vous représente. Yeah, man. Respect. Yes. Yeah, man. Alors, je peux poser une petite question. Il y a des moments difficiles que tu as vécu dans ta vie. Souvent, on dit, en créole, on dit « sac pas tuyau, faut lever puis jump ». Yeah, man. Alors, j'imagine que ça t'a aidé aussi dans la musique à pousser vers ta passion, à travailler encore plus fort. Comment ça exactement. S'est passé? Exactement. Ça a été, tu parles de la mort de ma mère. Oui, plusieurs moments difficiles. Ouais, j'imagine. Donc, effectivement, ça n'a pas toujours été facile parce que, si tu veux, j'ai grandi avec ma mère. Donc il y avait qu'elle pour m'épauler et puis j'ai une petite soeur un peu plus jeune. Et donc effectivement quand je l'ai perdu, ma mère me soutenait énormément dans ce que je faisais, dans la musique, tout ça, puisque tu sais j'ai arrêté d'aller à l'école pour me concentrer vraiment sur la musique. Et donc pour un parent c'est pas toujours c'est facile ça, surtout dans les Antilles, hein? Tu vois. Exactement. Donc tu sais, tu connais déjà le chemin que les jeunes prennent en général quand ils arrêtent d'aller en cours, etc. Donc effectivement, ma mère, malgré tout ça, m'a quand même soutenu. Elle t'a supporté, c'est bien. Et donc effectivement, ça n'a pas été facile quand elle est décédée. Donc pendant un an, si tu veux, c'était les remises en question, c'était est-ce que je vais vraiment continuer dans cette direction-là. Mais tu sais, j'avais quand même toujours l'envie d'écrire et tout ça. D'accord. Donc bon, après, ça a été difficile, mais je pense que ça m'a permis de... Ça m'a rendu plus fort, effectivement, parce que j'avais deux fois plus de trucs à prouver, quoi. Donc voilà. Hein. Et justement, dans ces moments difficiles, là où tu arrives à te relever avec la tête là, plus haut, je dirais... je rebondis un petit peu sur une autre question. C'est que j'ai remarqué, X-Man aussi, t'as pas la langue dans ta poche, si je pourrais dire. Là, c'est un artiste là qui aime bien, avec des textes un petit peu, bon, pour dénoncer de temps en temps. Est-ce que justement ça vient de cette expérience plus difficile où tu te permets de dénoncer certains faits de société qui te dérangent? En fait, si tu veux, dans Parfayosa X... Exemple. Exemple. Sinon, plus récemment, là, dans le buzz que tu as fait avec... dans le buzz que je dis, c'était pas forcément peut-être la volonté de ta part, mais dans Walpa, tout ça, c'est dénonciateur, je dirais. Exactement. Le message passe pas par quatre chemins. Exactement. si tu veux, en même temps, en tant que artiste dancehall, c'est notre boulot de le faire comme dans le rap, tu vois, le rap français où les gars dénoncent clairement ce qui va pas. Mais moi plus précisément, le message que j'ai voulu faire passer en tout cas dans Parfayosa X, c'était que encore une fois on rejoint la barrière de la langue. On écoute des chansons jamaïcaines sans spécialement comprendre les lyrics. Et des fois, effectivement, les gars sont dans un slackness poussé. Tu vois, c'est plus du slackness, c'est de la pornographie. Ah, et pourtant, ça joue dans nos radios. Je parle aux Antilles et en France. Ça joue dans nos radios, ça joue dans les lecteurs MP3 de nos petites sœurs, de nos petits frères, tu vois. Ouais. Sans pour cela savoir ce que ça veut dire. Si c'est sous-titré, c'est autre chose. Voilà. Et donc, nous, artistes antillais français, Quand on fait des textes un peu coquins, un peu où il y a une petite touche d'humour, sans pour cela rentrer dans le slackness, vraiment, on est déjà censuré, quoi. C'est-à-dire qu'on est limité à l'écrit. On peut pas écrire vraiment ce qu'on veut, dire vraiment ce qu'on veut dans nos textes. Or que d'autres le font et ça joue même plus que nous sur nos radios à nous. Et donc voilà, c'était ça le message en fait que je voulais faire passer dans Parfayosa X. Mais le message est passé, en tout cas, je pense. On l'a entendu tout à l'heure, le morceau que DJ Tick nous a joué et qu'on a remis au début même.
faut l'écouter avec attention, ces lyrics là, c'est ça, ça dit ce que ça veut dire. On vous rappelle X-Man, X-Man à chaque FM à Montréal. Il va jouer demain du côté de Montréal, alors soyez prêts, écoutez les informations et vous allez savoir où y aller. Et encore maintenant, pour rester dans les lyrics, qu'est-ce qu'on trouve bien aussi dans ta musique, c'est que t'amènes aussi cette touche d'humour là qui fait que ça passe mieux. Ouais, ben en fait c'est une direction que j'ai choisie. Mm-hmm. Parce que si tu veux, en vérité, en dancehall, il y avait énormément d'artistes militants, en majorité des mm-hmm. artistes militants. Et donc moi, j'ai préféré choisir la direction festive parce que dans, en toute c'est logique, la dancehall ça joue en club, mm-hmm. en boîte, on vient pour s'amuser. Exactement. Donc si tu viens pour t'amuser, c'est préférable pour toi d'entendre des lyrics un peu comiques, un peu festifs, etc. Donc c'est... Mm-hmm. Ça a été ma direction très tôt, quoi. Puis maintenant, une autre question, excuse-moi, Nicky. Quel artiste t'a inspiré? Bon, on peut parler des artistes jamaïcains. Oui, mm-hmm. ça nous a tous inspirés parce que, bon, on a un peu pris le reggae d'eux. Mais dans les artistes francophones, dans le reggae dancehall francophone, quel artiste t'inspire beaucoup, quoi? Alors, ben, quand tu étais jeune, quand tu as commencé. Si tu veux, l'élément déclencheur a été Admiralty. Mm-hmm. Donc à la période les Black ne sont pas des liquides ou en Guadada, tout ça, ça a été rapide. L'élément déclencheur. Pourquoi? Parce que j'écoutais beaucoup de Jamaïcains mm-hmm. et je ne savais pas qu'on pouvait avoir un tel niveau, mm-hmm. tu vois. Et donc c'est, pour moi c'est Admiralty qui m'a prouvé en tout cas qu'on pouvait être aussi fort à l'écrit que les Jamaïcains, quoi, musicalement parlant. Et donc, alors maintenant que cet été t'as été l'homme de l'été, alors qu'est-ce que t'en penses? Comment tu te sens maintenant? Ben non seulement c'est un rêve qui se réalise pour moi parce que ça fait des années que je suis dans le métier, mais en plus, sur mon album Atypique, j'ai eu la chance de faire un featuring avec Admiralty. Donc si tu veux, le gars qui m'a inspiré toute ma jeunesse a posé avec moi sur mon premier album. Donc voilà, c'est, je ne peux que dire que consécration. C'est... Consécration. Exactement, c'est lourd. D'accord. Mais après tout ce parcours, hein, on peut qu'admirer le travail parcouru. D'ailleurs, bravo X-Man, bravo, big up. Et justement, quelque chose qui retrace un petit peu ton parcours, c'est le morceau 1984, ta date de naissance exacte. Mmh. On va l'écouter à l'instant même, puis on va revenir pour continuer de parler avec X-Man. On vous rappelle que c'est X-Man en vivant et en direct sur Union Reggae dans Choc FM. On écoute ce morceau et on revient juste après. Blow! My life. My life. My life. 9 novembre 84, le globe a pin clac, un impact coup de matraque, un nouveau black débarque. Dans le ventre de sa mère, il construisait déjà son arc. Il veut laisser ses marques, dès le départ, il se démarque. L'école n'était pas son point fort, donc sa mère était sceptique. Il finira son diplôme en première électrotechnique. Assez intelligent pour retenir quelques techniques. Pour pouvoir se démerder dans un système trop merdique. Sans diplôme et sans repère, la vie ne fait pas de cadeau. Fini les deux fois de grève, fois de grève et depuis le sac à dos. Il doit travailler sa musique ou t'as fait un McDo. Et quand des choses sont pas centaines à finir par l'anneau. Les solutions ne sont pas les mêmes quand tu n'es qu'un ado. Et puis le top t'attend au virage avec un lasso. Tu dois avoir l'esprit solide et partir au galop. Et est-ce qu'il fait tous les obstacles sans casser tes sabots? Copine, 972, île de la coquine. Du shit, de l'herbe, de l'ecstasy et de ses copines. De retour en vivant et en direct sur les ondes de Choc FM. Vous êtes bien connectés également sur... A stream, franchement, je sais pas trop comment on dit, mais c'est la toute nouvelle technologie. Live stream, le son internet. Et l'image. Et vous voyez qui est avec nous, l'homme s'appelle X-Man, directement venu de Madinina. C'est un honneur de l'avoir avec nous. Ça va toujours, X-Man? Tranquille, mon frère. Comme à la maison. Ça se passe bien, voilà, on est ensemble, c'est la famille. Donc, X-Man, pour rebondir un petit peu, on a parlé de ton parcours. Maintenant, on va parler un petit peu de ton actualité depuis cet album Atypique. On sent qu'il y a eu comme peut-être, je dirais, déjà un gros travail de plus. Mm-hmm. Tout à l'heure, hors antenne, on parlait juste des compositions. Les rythmes qui sont très très lourds sur cet album. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des compositeurs vite fait qui ont été là-dessus? Alors, compositeurs. En majorité DJ Ken, donc c'est un Martiniquais, c'est un jeune, il doit avoir 22-23 ans, et donc qui bosse avec moi, il est sur Paris,
Et donc, si tu veux, on travaille ensemble. Donc, je lui fais les mélodies avec ma bouche des fois pour qu'il puisse. Ok, donc vous faites tout ça ensemble. C'est vraiment un travail qui fait pour X-Man. Là. Exactement. C'est pas des trucs. Ça existe, la base existe déjà, si tu veux. Moi, j'écris dessus, mais on rajoute quand même une touche par rapport à la chanson. Comme sur le titre Coup de Foudre, admettons, qui est inspiré du Cosa Nostra Rhythm, si on peut prendre ça pour exemple. Pour, vois, c'est vraiment du travail fait pour X-Man. Yeah, et justement, on a parlé de ces compositeurs qui travaillent. On a senti justement un réel travail pour Atypique. Et on a senti aussi, comment je dirais, une visibilité. Une visibilité pour ceux qui ne connaissaient pas X-Man. Avec des titres comme Madini Nakuduro qu'on va peut-être reparler parce qu'on a dépassé le 1 million de vues. Félicitations. Ça s'est fait très récemment, j'ai vu ça là sur YouTube. C'est rare pour un artiste reggae dancehall d'arriver à là, mais on peut en parler tout de suite. L'album Atypique et notamment ce titre Madini Nakuduro qui, bon, chez nous à La Réunion, c'est un véritable carton. Ouais, je sais. J'étais là-bas là, il n'y a pas longtemps. Le festival Raga Dancehall, si je ne me trompe pas. Donc, ben justement, ton impression. La visibilité pour ceux qui ne te connaissaient pas dans les autres îles des Dom-Dom ou dans les autres régions de la France ou ici au Canada, je pense que c'est la visibilité que tu attendais. Alors, si tu veux, j'ai pris un réel plaisir à écrire cette chanson-là, à faire ce style musical-là, parce que j'ai essayé de suivre un petit peu la tendance Kuduro qui marchait déjà très fort, mais ça me déçoit quand même que ça soit sur un Kuduro et qu'on me connaisse par rapport au fait que, avant tout, je suis un artiste dancehall, tu vois. Donc, le style en lui-même, c'était la mode, ça bouge bien, ça danse bien, c'est un petit peu assez proche du soca, de la soca music. Donc, c'était pour rester un petit peu dans cette vibes-là. Et effectivement, grâce à ce titre-là, mon frère, ben, y a énormément de portes qui se sont ouvertes. J'ai pu faire le tour de France plusieurs fois, en majorité grâce à ce titre-là. Et comme tu dis, récemment, donc il y a peut-être 4-5 jours, on a dépassé le million de vues. Et on est passé de 1 million à 1 million 10 000 vues en 2 jours. Donc j'ai eu l'impression que franchir le million, ça fait un buzz supplémentaire. Voilà, tu vois, donc ça ne peut être que positif. Au final, quand tu tombes sur ce clip-là, même si tu ne connaissais pas du tout l'artiste, tu vas automatiquement chercher ce qu'il a fait d'autre. Et donc ça me fait quand même de la pub pour mes... C'est pour ça que je pense que l'album Atypique en lui-même, c'est quand même un gros coup de pub, justement. Le tube avec Admiralty, Soirée arrosée aussi. Bon, on parle de quelques titres comme ça, mais tout l'album en lui-même, exactement, ça donne la visibilité. Pour continuer toujours dans cette histoire de visibilité, là, parce qu'on en a besoin en tant que créole, toi en tant qu'antillais. Est-ce que tu trouves qu'encore aujourd'hui en 2011, les dom-tom en général, la créolitude, si je sais pas si on dit ça comme ça, créolité, créolitude, c'est assez répandu? Est-ce qu'il n'y a pas assez de monde pour toi? Qu'est-ce que tu penses? C'est limité, c'est limité, et médiatiquement c'est limité volontairement. Pourquoi? Parce qu'on est une minorité. Donc si tu veux, pour les radios, c'est un petit peu saoulant de prendre une minorité, de la faire jouer comme ça, il y a déjà énormément d'artistes anglais, français, etc. qui se battent pour avoir une chanson qui passe à la radio. Donc tu vois, quand toi tu arrives avec ton créole, donc ça reste entre guillemets dans ta communauté, bon, c'est pas vraiment spécialement intéressant pour eux. Après, c'est clair qu'en créole, en ce moment, on est vraiment en train d'ouvrir plein de portes, et dans le zouk, et dans la dancehall antillaise, et dans différents styles musicaux, quoi. On est en train de continuer le travail que Kassav avait fait à l'époque, et ça me fait plaisir, parce que si tu veux, maintenant tu as des artistes dancehall guadeloupéens, martiniquais ou peu importe, qui signent chez Universal, qui signent chez Sony. Et c'est des majors, quoi. Ça s'est fait dans la génération d'avant avec Chris Admiralty. Exactement. Qui avait déjà ouvert ses portes. Donc là, on est en plein dedans. C'est à nous maintenant de prouver qu'on peut réellement faire un beau travail et rassembler du monde. Sincèrement, moi, là, j'ai fait le Bataclan en avril. Donc c'est encore récent. Il y a quelques mois, j'ai fait le Bataclan et j'étais le premier artiste dancehall martiniquais à faire le Bataclan. Okay. Donc c'est 1500 personnes, c'est une salle mythique à Paris, et il y a pas vraiment, on n'a pas vraiment cet accès-là normalement. Et en plus que j'ai fait le Bataclan, l'accord du Bataclan a été signé avant même que l'album ne sorte ou quoi que ce soit. Donc okay. Ça a marché vraiment au bouche à oreille, au buzz. Et donc ça prouve que finalement on est sur une bonne voie, tu vois. Que le travail paye aussi, puisque c'est un travail de longue haleine, si on peut dire. Ben là, tu parles un peu des artistes martiniquais, antillais qui signent ou quoi que ce soit.
J'aimerais que X-Man nous donne son avis sur la scène dancehall, reggae actuelle, francophone. Bon, tu peux parler des Jamaïcains aussi, mais nous ici on aime bien le francophone. Ouais, frère. Okay. Donc, yes. Qu'est-ce que tu penses de ces jeunes artistes là, la génération après toi peut-être? Il y a beaucoup de talent, hein, parce que c'est un peu plus facile, entre guillemets, tout repose sur Internet maintenant, tu vois, Facebook, tous les trucs à la mode, donc maintenant, avoir une bonne caméra, c'est donné à tout le monde, ça coûte mm-hmm. pas aussi cher qu'avant, donc tu vois de plus en plus de gros clips sur le net, tu vois des gars assez talentueux, parce que finalement, ils ont accès à tout, ils ont accès aux nouveaux clips, ils savent déjà comment faire, ils savent déjà comment, tu vois, donc non, ça avance bien, il y a des gars, en tout cas en Martinique, il y a des gars super, super bons, et donc je pense que ça va se faire savoir pas longtemps. Pour un peu serrer plus sur la question, quel conseil tu pourrais donner à ces nouveaux artistes qui émergent, qui veulent arriver à quelque chose, arriver à faire connaître leur art? Ben, sincèrement, moi, je pense que mon exemple, je pourrais donner mon exemple. C'est-à-dire que moi, si tu veux, j'ai réussi jusqu'à maintenant grâce à la force de ma musique. Mm-hmm. C'est vrai, parce que si tu vas sur le net, X-Men n'a pas beaucoup de clips. Tu vois, je suis à mon premier album, mm-hmm. donc je n'ai pas utilisé les radios, les télés ou les médias pour me faire connaître. Si je suis à là, c'est parce que mes chansons ont plu. Donc moi, je pense que le meilleur conseil à donner, c'est ce qu'est ça. C'est ce qu'est travaille ta musique avant de chercher à avoir du buzz. Travaille gagner son public un par un, quoi. Gagne ton public grâce à ton talent, pas grâce à ton style vestimentaire ou grâce à tes tatouages ou grâce à toi. Moi, c'est le meilleur conseil que j'ai à donner, c'est ça. Écris bien, envoie des bad tunes. Fait que les DJ ne pensent qu'à toi quand ils ont envie de mixer, tu vois. Et là, ça ira 10 fois plus loin, 10 fois plus longtemps, 10 fois plus haut, 10 fois tout ce que tu veux. Alors les massifs, vous avez écouté conseil tous ceux qui ont envie de prendre le micro et de toaster. Alors vous avez écouté l'homme X-Man qui vous a donné son conseil. Yeah, parce que tu sais, tout, comme je disais, tout est accessible. Mm-hmm. Les gros clips, c'est accessible. Les studios, home studio, il y a ça partout. Avant, on payait cher pour aller enregistrer un morceau. Maintenant, les home studios, il y en a dans toutes les chambres. C'est yachts, plus accessible que dans le temps. Voilà, donc des fois effectivement ça va un petit peu trop vite, parce que en vérité on compte quand même pas mal de merdes, des choses qu'il faut trier faut trier un petit peu sur le volet. Mais donc, ça c'est au public aussi, un petit peu le public est seul juge, mais c'est pour ça qu'on dénonce aussi, il faut pas trop laisser déborder les choses. Est-ce qu'on tourne en musique? X-Man, j'aimerais savoir avant les amis, pour mettre un petit peu l'eau à la bouche à tous nos auditeurs qui nous écoutent, t'es paré pour un freestyle mon frère? Pourquoi pas? Donc tu restes avec nous, on lâche les instrus, les big instrus de DJ Kenz. Et on fait un freestyle tous ensemble sur Lumière Reggae, si t'es d'accord. Pas de soucis, la famille. Bon, on va y aller avec un dernier extrait. Ah, j'ai une dernière petite question et j'aimerais bien la poser, celle-là, pour conclure un petit peu, avant d'écouter ce fameux extrait. J'en ai deux petits. On va terminer l'émission, l'interview là-dessus. J'aimerais savoir, après tout ce que tu nous as dit sur les artistes, que tu penses beaucoup de bien, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu as écouté dans ton iPod. C'est très particulier. Ta playlist, parce que, à toi. Je suis très très jamaïcain, très jamaïcain en dancehall. C'est-à-dire que je vais chercher vraiment dans les racines de l'underground jamaïcain. Okay. Donc si tu veux, en majorité tu auras du Idonia, parce que j'aime énormément le style d'Idonia. C'est très technique, très lyrical. Après il y aura 1% de Vibes Cartel. parce qu'il me déçoit de plus en plus. Quand même, il est là. Ouais, parce qu'il me déçoit de plus en plus. Sinon, tu vois, comme d'hab, du bon petit qu'il a, du Biniman, du... Des choses quand même très actuelles. Tu télécharges un petit peu des redeems, les trucs, tu tiens au courant? J'essaye, mais ça va tellement vite maintenant. Ah ouais, c'est sûr. Mais sinon, il y a quand même un peu de rap français. J'aime bien Booba, j'aime bien. Il y a un petit peu de tout, mais en majorité du dancehall. Du gros dancehall. J'imagine que ça t'aide aussi au niveau de ta musique, quoi. Ouais, c'est ça. C'est eux qui nous donnent la direction à suivre, les Jamaïcains. C'est à eux, ça vient de chez eux. Donc, si tu n'es pas tout le temps
à la fin des actualités, tu peux pas savoir toi-même quelle direction prendre. Exactement. Et juste avant d'écouter le titre de retour avec la musique avec DJ Tick, on va écouter le titre, ton titre avec avec Admiral T, Dancehall Feeling. Yeah. Un duo que tu as dit que tu aimais particulièrement. S'il y aurait un artiste dans les prochaines années, prochain album qu'on te souhaite d'ailleurs, l'artiste vraiment là que tu te gâterais, que tu mettrais en featuring là sur l'album. Je veux pas, bah, peut-être qu'il y aura un scoop avec cette question, mais. En local, tu penses? Ben, non, pas forcément. On a parlé de Jamaïcain, t'aimes bien le Jamaïcain, donc je pense que bon, peut-être t'aimerais un feat avec Aïdonia, je sais pas. Peut-être Movado. Movado, quand même. Movado, Aïdonia. Ouais. Ah, ben, en tout cas, on va surveiller ça, on espère, hein. Grosse tuerie, X-Man featuring Movado, bon. Et en local, Lompai. Ah, Lompai. Ben, ça, on l'attend, ça. Lompai. C'est un artiste martiniquais, c'est un frère, hein, c'est un frangin à moi, on s'entend très très bien. On n'a jamais eu l'occasion de faire un titre ensemble, mais c'est un gars que j'apprécie tout particulièrement pour ses lyrics très conscients, très. Il sait où il va, il sait ce qu'il dit, tu vois. Donc, peut-être sur le prochain album, Lompai. Ouais. Ah, ben peut-être qu'on vient d'avoir un scoop, on surveille ça. Prochain album, Lompai X-Man. Pour la suite, on écoute Admiral T et X-Man, c'est Dancehall Feeling sur Choc FM. Restez à l'écoute. X-Man revient pour un freestyle exclusif. DJ Tilk, roule la musique, my selector. Hey baby! On monte la sono. Mood! Hey.